Le but même essentiel de l'opération, surtout au niveau de la sous-direction de la lutte contre la traite des enfants, c'est de comprendre ce phénomène qui est la traite à notre niveau et de comprendre un peu le mécanisme, de comprendre un peu le modus operandi, parce que ça diffère selon les années, selon les personnes qu'on interpelle et autres. Et donc c'est de comprendre cela, savoir pourquoi ces enfants sont à ce niveau, pourquoi les trafiquants s'adonnent à ça, et ça, ça va nous aider. Et c'est à travers la procédure même en tant que telle, ces personnes qui seront interpellées, c'est à travers les procédures, c'est à travers les procès-verbaux qu'on saura effectivement pourquoi ils s'adonnent effectivement à ce trafic d'enfants-là pour venir effectivement remplacer les personnes adultes qui auraient dû faire ce travail-là. Parce que ce n'est pas un travail qui est donné vraiment aux enfants. Les enfants, ils sont fragiles. Les enfants, il faut les protéger parce que la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants les protège normalement. Et ça, nous devons nous appuyer dessus. Nous devons travailler dans ce sens pour qu'un enfant retrouve vraiment toute sa quiétude, tous ses droits fondamentaux doivent être respectés partout où il se trouve. Merci.